Tu pourras jamais faire de ta croyance quelque chose de réel. Tu pourras jamais faire de ton idéal quelque chose de réel. Toutes les idées que tu as, tout ce que tu projettes, ce ne sera jamais une réalité. Même si tu le matérialises, ce ne sera jamais une réalité, une vraie chose qui existe pour de vrai, parce que tout est éphémère. Il n'y a rien qui peut être donné à l'homme que il pense pouvoir faire. Tout ce que tu veux, tout ce que tu attends, c'est des histoires que tu te racontes. La réalité, elle, elle est juste ce qu'elle est. Il n'y a rien sur la planète qui pourra changer ça. L'ordre naturel restera dans son état parfait. La vie, tout ce qui se meut, tous les cycles, l'univers, cette beauté infinie restera ce qu'elle est dans son mouvement perpétuel. Même si dans ces mouvements il y a des inattendus, des catastrophes, tout ça restera, ça fera partie de l'ordre. L'ordre, c'est pas quelque chose que tu peux changer. Tu peux en faire autre chose. Personne ne peut changer ça. C'est seulement si tu crois être autre chose que tu es, parce que ce que tu es, c'est l'ordre, c'est l'harmonie. Tu vois, tout ça, c'est nous-mêmes. Tu es dans tout. L'oiseau là-bas, c'est toi. Les arbres là, c'est toi. Le ciel avec son nuage là-bas qui passe. Ça fait partie de ce que tu es. Tu es tout ça. Tu ne peux pas être dissocié de tout ça. Et tout ça, c'est la seule chose qui existe vraiment. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça. Ça, c'est la vraie réalité qui existe et rien d'autre ne peut surpasser tout ça. Il n'y a rien d'autre à rajouter à tout ça. C'est là. C'est le sacré, c'est ce qui est là. Et ce n'est pas là en face de tes yeux, c'est là, c'est la conscience, c'est comme ça. Cette conscience, elle est parfaite. Elle entend tout, elle voit tout, elle regarde tout. À partir de cette conscience, l'œil de cette conscience voit ce qu'elle fait et ce que tu as fait. Eh bien, ce sont toutes ces choses-là. Et tu crois que tu es quelqu'un. Et tout ce que tu vas essayer de faire pour interagir avec tout ce que tu vois va être une illusion. Parce qu'il n'y a que ce qui est à l'origine qui existe. Tout ça, c'est l'expansion de l'origine. Tout ça, c'est... Ça a été
coulé depuis la source et tout ça continue à couler. Mais la perfection, l'ordre, l'harmonie est quelque chose qui ne se joue pas dans le temps. Elle est là tout le temps, elle reste comme ça et ça, c'est ta vraie nature. Alors tout ce que tu peux être, tout ce que tu peux penser, pouvoir faire pour modifier le cours des choses, tu peux contrôler, tu peux arranger, ce sera de l'illusion. Tu ne peux pas, parce que c'est quelque chose qui est là et rien de ce que tu fais ne pourra interférer avec ça. Parce que ce que tu es à ce moment-là, ce que tu crois être, c'est une illusion. Ce n'est pas une réalité. C'est ce que tu te donnes d'être. Mais ce que tu te donnes d'être, ça vient d'une projection que tu as. Et une projection n'est pas quelque chose qui est immuable. C'est quelque chose qui va se faner, qui va naître puis mourir. C'est éphémère. Mais la seule chose que tu es est là. Tout ça, c'est ce que tu es. Il n'y a rien d'autre. Mais comme tu crois être quelqu'un, alors tu vas vouloir te dissocier de ce grand tout-là et tu vas vouloir te faire une existence à travers tout ce que tu peux prendre du grand tout. Tu vas dire, ah, ça c'est joli, ça c'est, je vais m'identifier à ça. Ah, ça c'est pas mal non plus, je prends ça. Donc tu t'habilles du grand tout en le dissociant, en le divisant. Mais ça, tu peux pas le faire, tu peux pas dissocier, tu peux pas faire en sorte que la comparaison soit une réalité. Tu ne peux pas comparer, parce que le tout est un seul tout, tu ne peux pas le diviser. En prenant à travers cette division une existence que tu vas te donner pour paraître à travers ce que tu te donnes d'être. Et ce que tu te donnes d'être n'a rien de réel. Donc tout ce que tu vas faire n'a aucun sens. Ce sera, tu pédales tout le temps dans le vide là. Il n'y a rien qui se passe. Puisque la vie, elle va rester ce qu'elle est. L'immuable ne va pas changer pour tes beaux yeux. Si tu veux contrôler les choses pour qu'elles soient à ton goût, tu peux faire ce que tu veux. Elles ne seront jamais à ton goût. Elles seront toujours en désaccord avec ce que tu veux. Parce que ce que tu veux, c'est quelque chose que tu inventes pour pouvoir exister. Parce que face à cette grande immensité-là, tu es rien. Il n'y a personne là-dedans. Il n'y a pas le personnage, il n'y a pas ce que tu penses être. Là-dedans, il n'y a rien qui peut se proclamer être. Tout est illusion. Cette proclamation est une illusion de ton désir d'être. L'image que tu te donnes, c'est une proclamation de ta projection de vouloir être ce que tu aimerais être. Et ça ne peut pas se faire. Parce que l'illusion n'existe pas. Il n'y a que ce qui est. Et ce qui est n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Et c'est ça que tu es. Tu ne peux pas te dissocier de ça. C'est quand tu reviens à tes esprits et que tu réalises que tu es en train de te mentir, que tu te rattaches à tout. Tu te remets en question puisque
tu étais parti là. Tu as oublié qui tu étais là. Parce que tu étais parti. Tu t'es donné d'être ce que tu n'es pas. Donc tu ne sais plus qui tu es. Tu es dans la confusion. C'est seulement quand tu cesses de croire que tu es ce que tu penses que tu réintègres le tout. Parce que le tout, c'est ce que tu es. Et tout ça, ce tout-là, ne peut jamais être dissocié. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux croire ce que tu veux, tu seras toujours à rien qu'une illusion. Parce que la réalité, c'est que la vie, l'immuable, c'est la seule chose qui existe. Tout ce que tu te proclames être, c'est du vent. Si tu penses savoir pour pouvoir arranger une vie pour toi, pour pouvoir faire en sorte que la vie soit dans un cadre où tu peux exister, pour faire exister ton personnage, celui qui veut exister, celui qui a peur d'être rien, parce que tout ça, c'est rien. Toute cette grandeur, cette immensité que tu es, n'est pas un personnage. N'est pas ce que tu penses. C'est un tout. C'est une globalité. Et dans cette globalité, eh bien, ce que tu es est tout. Donc tout ce que tu vois autour de toi, c'est tout, c'est tout ce que tu es. La feuille qui vacille dans le vent, le bruit de l'oiseau, tout ça fait partie du tout. Et ce que tu vois, c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu es, tout ça, ce que tu es là, ça ne vient pas de là-bas, puisque là-bas, quand ça a coulé, c'est devenu ce que nous étions. Donc c'est le passé. Donc l'immuable ne peut pas être dans le temps. L'immuable ne fait pas partie du temps. Parce que le temps, c'est ce que tu es qui va faire exister le temps. Tu vas dire, si je fais ça, ça et ça, je pourrai avoir ça et ça. Donc j'existerai. Le temps. Mais l'immuable n'a pas besoin de temps parce que elle est au-delà de toute l'illusion que tu peux te créer. Et cet immuable n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Ce que tu es ne peut pas être autre chose que ça. Donc tout ce que tu te donnes d'être, tout ce que tu veux, tout ce que tu attends, c'est une vaine démarche. Parce que ça n'existe pas.